Aujourd'hui, on va tester ce mini drone de chez Potensic et on va se retrouver à l'intérieur parce que l'hiver, le froid, la pluie qui commence à tomber, on sera mieux dedans pour que je vous le présente plus en détail et on reviendra dehors quand il fera meilleur. Voilà, on est quand même mieux à l'intérieur. Bienvenue sur la chaîne Fantomas Hightech. Ici, je teste toutes les dernières nouveautés high-tech. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos à venir. Et si vous pouvez également cliquer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors, comme vous l'avez vu dans le teaser, aujourd'hui, on va tester ce drone Potensic Atom SE. Alors, celui-ci, si vous connaissez un petit peu les drones, vous avez vu qu'il ressemble étrangement à un drone bien connu, le DJI Mini 2. On va regarder en quoi il est similaire et surtout quelles sont ses limites par rapport au DJI. Dans la boîte, on va retrouver une sacoche. Et dans cette sacoche, eh bien, il y aura tous les accessoires. Alors, on a d'abord la sangle qui est fournie pour transporter facilement la sacoche. On a des instructions de sécurité qui se trouvent sur ce carton multilangue. On a un guide de démarrage rapide, pareil, multilangue, et une notice complète, également multilangue. Alors, si vous regardez l'intégralité de cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de tout ça. On a ici un kit qui est beaucoup plus fourni que le kit de base de chez DJI, puisqu'on a la sacoche et on a déjà deux batteries d'une autonomie d'environ 25 minutes chacune. Alors 25-30 minutes en fonction de comment vous allez voler, je dirais plutôt que ça tourne autour de 25 minutes, ce qui est franchement déjà pas mal. En 25 minutes, ça nous laisse quand même le temps de faire pas mal de choses. C'est beaucoup mieux que les 10 minutes qu'on retrouve sur certains modèles de drones. La télécommande radio permet d'atteindre une distance théorique de 4 km, on verra tout à l'heure dans le test. Vous avez les manettes qui sont ici. Voilà, qu'il faut simplement enlever là et visser sur le dessus. Alors personnellement, je les laisse toujours visser. Je replie simplement les antennes et je range ça comme ça directement dans le sac. Ça passe très bien, il n'y a pas besoin de les enlever. Ça évite de les perdre. On a un jeu d'hélices de rechange et un petit tournevis et des vis de rechange. J'ai oublié la partie câblage qui est vraiment très importante. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme câble? Eh bien, on a un câble USB à USB-C qui va permettre de recharger les batteries. Alors du coup, une seule batterie puisque vous avez un seul câble. Mais si vous avez chez vous des chargeurs USB-C, vous pouvez très bien les utiliser pour charger les deux batteries en même temps. Et là, on a trois types de câbles différents en fonction de votre smartphone. Ça veut dire que ce drone peut être utilisé avec n'importe quel modèle de smartphone. iPhone, Android, USB-C, micro USB ou iPhone. Alors ensuite, on va regarder le drone de plus près. Il arrive comme ça, attaché dans sa sangle en velcro. Donc il suffit de la défaire comme ça. Ça, ça permet de protéger les hélices pendant le transport et de maintenir le drone dans une position de sécurité. Personnellement, je ne remets plus ça à l'usage. J'arrive à glisser le drone directement dans sa sacoche et il est suffisamment protégé dans la sacoche en utilisation quotidienne sans être obligé de remettre ça. Il faut penser à enlever le blocage de la caméra qui se trouve ici. Donc, il faut y aller délicatement. Il faut enlever ça. Voilà. Et donc, on peut déplier le drone. Donc voilà, ça ressemble vraiment au DJI Mini 2. Ça, il n'y a pas photo. Ce qui est important de signaler au niveau de la réglementation, c'est que ce drone fait moins de 250 grammes. Donc, vous avez beaucoup plus de liberté pour voler avec ce type de drone qu'avec un drone qui serait plus lourd. Je vous invite à consulter sur YouTube les vidéos qui parlent de réglementation, on va pas passer la vidéo là-dessus. Alors qu'est-ce qui va faire la différence par rapport au DJI? Eh bien déjà la caméra ici, elle est montée sur un absorbeur en caoutchouc, vous voyez, passif, il n'y a pas de gimbal actif, donc ça va être la première différence. La caméra 4K permet de faire d'excellentes images. Par contre, vous avez quand même une qualité vraiment bien meilleure sur le DJI au niveau de la vidéo 4K. Donc pour ceux qui veulent faire des vidéos professionnelles, avec une qualité professionnelle, ce drone ne sera pas adapté. Ce drone va être plutôt adapté dans une utilisation loisir, pour faire des vues pour vos vacances, ça va être très très bien. Et par contre, ce sera un petit peu limité quand vous serez en basse lumière. Par exemple, quand vous voudrez filmer en soirée, au coucher de soleil, vous allez avoir un petit grain dans l'image que vous n'auriez pas sur le DJI. Évidemment, là, on est sur un prix bien inférieur. On va forcément trouver des concessions à faire. A noter que la caméra est équipée d'un stabilisateur numérique qui est vraiment efficace pour stabiliser les mouvements brusques de la caméra. Vous avez sur l'arrière un slot micro SD
pour mettre une carte micro SD, forcément, hein. Je vous mets en lien le type de carte qu'il faut mettre, parce qu'il faut quand même une carte assez rapide pour pouvoir enregistrer des vidéos en 4K. Sur le dessous, on a un capteur de distance, qui sont les deux ronds que vous voyez sur le bas. Ça permet au drone de calculer sa distance par rapport au sol quand il est en procédure d'atterrissage. Et vous avez juste au-dessus le petit rond noir qui est une caméra. Ça l'aide à se positionner quand il n'a pas sa localisation GPS, notamment en intérieur. Je vous conseille de faire attention en intérieur parce que ça peut casser assez rapidement ce type de drone qui n'est pas protégé au niveau des hélices. Vous n'allez pas forcément casser que les hélices. Et je suis bien placé pour le dire, j'ai cassé un Atome SE assez rapidement. Alors tout simplement parce que sur la première application en français de l'Atome SE de chez Potensiq, eh bien on ne pouvait pas faire la calibration. C'est-à-dire la calibration géomagnétique, c'est-à-dire il fallait faire tourner le drone comme ça sur lui-même horizontalement, ensuite verticalement comme indiqué dans l'application. Ça ne fonctionnait pas, du coup j'ai pas pu faire cette calibration, le drone est parti un petit peu n'importe où, et j'ai essayé de le récupérer comme je pouvais, mais j'ai pas réussi, et en fait il est allé se prendre dans un arbre, il a pas cassé à ce moment-là, et il est tombé en fait sur un bras, comme ça, et ça a donc cassé un bras. Et donc, vous voyez, je ne vous mens pas, celui qui a cassé, il est là. Je l'ai réparé avec du scotch et une équerre en aluminium. Mais du fait que j'ai mis l'équerre en aluminium ici et que vous avez l'antenne radio qui se trouve dans les pieds avant, eh ben, j'ai une moins bonne réception radio et c'est vraiment problématique. Mais Potensiq a été vraiment sympa sur le coup. Ils font ça avec leurs clients. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous trouver une solution très rapidement. Ils ne laissent jamais leurs clients dans la panade. Et là, pour le coup, ils m'ont renvoyé un drone pour remplacer celui que j'avais cassé. Et ça, c'est vraiment bien. Donc à l'heure actuelle, vous n'aurez plus ce problème de calibration. L'application a été corrigée. Je l'ai vérifié. Tous les tests que vous verrez, j'ai utilisé à chaque fois le calibrage et ça a fonctionné. Je vous conseille de calibrer systématiquement à chaque changement de batterie ou à chaque fois que vous l'avez éteint. Vous refaites un calibrage, comme ça vous êtes sûr qu'il va être stable en géostationnaire et qu'il ne va pas commencer à faire des cercles. Si vous voyez qu'il commence à faire des cercles comme ça, de plus en plus grands, il faut poser tout de suite. Ou alors, vous montez tout de suite, vous prenez de l'altitude directement. Et là, ça va le stabiliser, il va arrêter de faire des cercles. Si vous laissez faire des cercles, il va partir au large et il va finir par taper quelque chose. Il faut savoir qu'en pilotage manuel, il est très stable. Et c'est ça qui est bien avec un drone équipé de localisation GPS. C'est que c'est très accessible aux débutants. C'est-à-dire que quand vous décollez, vous avez un mode décollage automatique, un mode atterrissage automatique, un mode retour à la base automatique. Tout est vraiment automatique. Et quand vous êtes en l'air, eh bien, le drone est stable, plus ou moins. Évidemment, il va varier un petit peu comme ça sur un carré de 50 cm. Mais il va rester stable, même s'il y a du vent. Vous n'aurez pas de problème si vous ne savez pas trop piloter un drone. Eh bien, tant que vous touchez à rien, il ne va pas bouger. Et ça, c'est ça qui est bien, parce que sur les drones qui ne sont pas équipés de GPS, eh bien, il faut contrôler en permanence, et si vous êtes vite perdu, eh bien, ça peut partir vite en cacahuète. Donc là, c'est ça qui est super bien. Moi, j'ai jamais su vraiment piloter des drones, et je me suis habitué directement depuis le premier drone que j'ai eu, qui est équipé en GPS, le drone précédent que j'ai testé. Je vous mets le lien par ici, non, par là, du drone Potensiq. Il n'y avait pas une caméra 4K, il était un petit peu différent de celui-ci, il n'était pas repliable. Je vous conseille d'aller voir la vidéo complète, vous trouverez également des choses intéressantes qui pourront concerner également ce drone. Donc pour la télécommande, vous prenez le câble adapté à votre smartphone, vous le mettez sur votre smartphone, la partie coudée sur le smartphone. Il suffit simplement de le glisser comme ça dans la télécommande. Vous le coincez et ensuite vous allez plugger la prise USB-C directement sur la télécommande. Et à partir de là, eh bien, c'est la télécommande qui communique avec le drone, ce n'est pas votre smartphone. Ce qui est beaucoup mieux par rapport au modèle précédent que j'avais testé de chez Potensiq, où c'était le smartphone qui communiquait avec le drone en Wi-Fi 5. Ici, c'est vraiment la télécommande qui fait le lien entre les deux. Donc une fois que c'est comme ça, eh bien, il suffit simplement d'allumer la télécommande en restant appuyé sur ce bouton. Alors vous voyez que je l'ai déjà utilisé, hein, il y a que deux points de niveau de batterie de la télécommande, puisque la télécommande se recharge sur la prise USB-C qui se trouve là à l'aide du câble fourni ou de votre chargeur USB-C si vous en avez un. Donc ensuite, une fois que vous avez lancé ça, eh bien, vous ouvrez le smartphone et puis vous lancez l'application Potensiq. Donc quand on lance l'application Potensiq, on se retrouve sur cet écran. En haut à droite, vous avez un menu, vous allez retrouver des vidéos pédagogiques, c'est-à-dire des sortes de tutoriels vidéo
de comment utiliser et configurer le drone la première fois, comment faire la calibration, etc. Vous avez différents types de vidéos. Je vous invite à aller les consulter si vous le souhaitez. Ensuite, on a le mode d'emploi en ligne. Voilà, on peut le télécharger, mais vous l'avez également en format papier et dans la boîte. Record de vol, ça, c'est les différents vols que vous avez effectués avec la distance, la vitesse maximale, l'altitude. Et on a le journal de vol ici que vous pouvez télécharger ou uploader dans le cloud. En bas, vous avez vos vidéos, vos photos que vous pouvez enregistrer ici. Donc là, j'ai connecté la télécommande et le drone. Je clique sur « Entrer l'appareil ». Alors, c'est forcément parfois mal traduit, hein. Donc là, le drone est posé sur la table, hein, en face de moi. Voilà, moi, je suis là avec le smartphone. Donc ça, c'est l'écran que vous aurez en vol. C'est-à-dire que vous verrez en temps réel votre drone se déplacer. Et vous pourrez agir également sur la caméra, puisqu'on peut régler la hauteur. Voilà, il suffit de faire comme ça et on peut régler la hauteur de la caméra. Donc on a un bouton en fait qui est intégré à la télécommande qui permet de faire ça. Vous avez directement sur la télécommande un bouton photo et un bouton vidéo. Le bouton vidéo se trouve ici et le bouton photo se trouve ici. Je peux ici en dessous régler différentes choses. Donc on peut mettre une grille, vous voyez derrière sur l'affichage, une grille 2/3, 2/3, 1/3. Le filigrane, c'est ce qui s'affiche tout en bas de la vidéo. Vous avez les informations comme la hauteur du drone, la vitesse, le shutter de l'appareil photo qui ici actuellement est à 1/100, l'ISO de l'appareil photo 1605, les positions GPS, les coordonnées. Donc vous pouvez afficher ou pas le filigrane. Ensuite, EV, vous allez régler la luminosité de la caméra. Voilà, ça se règle ici manuellement. Alors, on ne peut pas régler la vitesse d'obturation ni l'ouverture de l'objectif, c'est des paramètres qui sont automatiques. Segment de vidéo, on peut choisir si vous voulez des vidéos de 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Et la résolution, vous allez pouvoir choisir entre une vidéo à 4K 30fps, 2,7K 30fps, 1080p 60fps ou 1080p 30fps. On peut ici formater la carte SD. En dessous, on a un autre bouton. Ça, c'est les vidéos qui sont dans le drone. Donc, je peux choisir de les visualiser tout de suite. Et il va commencer par les télécharger en local. Et ensuite, on peut les visualiser. Vous avez un bouton de décollage automatique qui se trouve ici. Donc là, je ne vais pas le faire, je suis en intérieur. Il suffirait que je glisse ce bouton-là sur la droite pour aller faire le décollage automatique. Juste en dessous, j'ai les modes automatique qu'on verra tout à l'heure en détail dans le test, et vous avez en bas à gauche la localisation GPS de là où je me trouve. Ensuite, en haut à droite, vous avez trois petits points, ça permet d'entrer dans le menu. Donc là, on peut le régler en mode débutant si on appuie là. Donc ça réduit la vitesse et ça limite aussi la distance à 30 mètres à partir du point de départ. Mais après, vous pouvez régler ici manuellement vos limites d'altitude. C'est marqué 10 à 120 mètres. On peut limiter la distance jusqu'à 4 km. On peut régler la vitesse du drone en mode vidéo. Le mode vidéo, c'est un mode assez lent qui va vous permettre de faire des plans sans qu'il y ait trop de mouvement. Ensuite, le mode normal et le mode sport qui permet d'aller beaucoup plus vite. Le réglage de vol en circulation, c'est le vol circulaire. Là, vous allez pouvoir régler le rayon du cercle du vol circulaire et la vitesse de vol circulaire jusqu'à 5 mètres par seconde. Et vous pouvez en bas choisir le sens de rotation. Ici, on va pouvoir faire le calibrage et c'est ce que je vous conseille de faire à chaque vol. Il faudra vous mettre dans un endroit dégagé pour pouvoir capter les signaux GPS. Il faut avoir au moins 9 ou 8 satellites visibles. À ce moment-là, vous pourrez commencer le calibrage en tenant votre drone à 1,50 m du sol et vous allez le faire pivoter comme indiqué en temps réel sur l'écran. Pour la télécommande, vous avez deux modes de fonctionnement. Moi, j'utilise le mode 2. Vous pouvez utiliser le mode que vous souhaitez. On peut recalibrer le drone ici et étalonner la télécommande en bas. Ici, on trouve les informations vitales du drone, entre autres la capacité batterie qui est actuellement à 44%, la température du drone, le courant électrique actuellement consommé sur la batterie, le voltage, le type de batterie, deux éléments, le nombre de fois qu'elle a été chargée. Ça, j'ai l'impression que c'est pas très fiable puisque ça me met toujours un ou deux. Donc j'ai l'impression qu'il compte pas très bien. Et la capacité restante qui est actuellement de 1120 mAh. Tout en bas, on peut choisir unité métrique ou impériale. Solution dure, c'est hardware, je ne sais quoi. Quand je l'active, ça se désactive tout seul. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Et puis ici, on a les versions de l'appareil, de la télécommande, de la caméra, etc.
J'en profite pour vous montrer certains boutons de la télécommande, notamment ici le bouton de mise en route de la télécommande et ici le bouton de retour maison. Donc il faut rester appuyé 2 secondes sur ce bouton pour avoir un retour automatique à la base. C'est plus rapide que d'aller choisir l'option sur le tactile du téléphone. Et si vous voulez arrêter le retour à la base, il suffit de cliquer simplement une fois sur ce bouton. Voilà, ben maintenant il ne reste plus qu'à faire le test en réel. J'ai testé les différentes fonctionnalités disponibles sur le drone, les modes automatiques. Donc, eh bien, on va mettre une batterie et puis on va aller tester ça tout de suite. Donc là, on est à 5 mètres de haut. Il y a vraiment beaucoup de vent. Le carton s'est envolé. C'est la preuve qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Mon carton de décollage vient de s'envoler. Et maintenant, je vais activer le tracking, donc le suivez-moi. Voilà, donc là il est en mode suivez-moi, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement monter dans la voiture et voir s'il est capable de me suivre. Et c'est parti. Donc là j'ai la télécommande dans la voiture. Alors vous voyez qu'il effectue un mouvement de rotation. Est-ce qu'il va avancer maintenant pour me suivre? Ça a l'air de le suivre. Alors je le vois plus parce qu'il doit être en l'air derrière moi. Je le vois même pas dans les rétros. Là je roule à 16 km/h. Et on voit qu'il avance, il avance. Alors là, on est dans le sens du vent, donc il ne devrait pas trop avoir de mal à me suivre. On voit qu'il est à 6 mètres par seconde quand même. Je vais essayer d'aller plus vite. Il est à 7 mètres par seconde. J'évite les trous en même temps. Hop. Et là, je suis à 50 km/h. Ok, là, il est à la verticale de la voiture, plus ou moins. Et je vais envoyer le mode circulaire. Donc, il va faire le tour, normalement, de la voiture. Voilà, là, c'est lui qui fait tout seul à partir de ce moment-là. Là, le vol circulaire, c'est à une vitesse de 3 mètres par seconde. Eh, mais il arrive à, quand même à garder la voiture dans le centre, hein, malgré vraiment le vent. C'est parfait, on ne lui demande pas plus que ça. Alors là, j'ai voulu tester la fonction Waypoint. Donc, je me suis mis à 8 mètres de haut. Et j'ai cliqué donc sur le bouton vol de Waypoint. Donc en fait, c'est des points de passage. Donc on va déterminer à quel endroit on veut que le drone se rende, on va déterminer plusieurs points. Donc je clique directement sur l'écran pour dire à quel endroit je veux que le drone se dirige. Donc je clique déjà sur un premier point, ensuite un deuxième point, ensuite un troisième point, puis un quatrième point qui va revenir vers moi, et ensuite le dernier point, le cinquième, qui va se trouver à côté de moi. Et ensuite, je clique simplement sur Go et je glisse vers la droite pour confirmer la fonction. Et là, le drone va se rendre dans l'ordre aux différents points que j'ai sélectionnés. Donc on peut suivre en temps réel son trajet, à la fois sur le plan GPS et aussi grâce à la caméra. Alors concrètement, je ne sais pas quel peut être réellement l'intérêt de cette fonction. Personnellement, je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Si vous avez des idées sur l'utilisation de cette fonction point de passage, Waypoint, eh bien n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, le drone est sur le retour. Il va terminer son tour et rester en stationnaire au-dessus de moi. Et là, c'est moi qui le ramène en manuel. Là, j'ai voulu tester jusqu'à quelle distance je pouvais contrôler le drone. Donc là, évidemment, ça passe en accéléré. J'ai tenté de suivre une route pour pouvoir récupérer le drone facilement en cas d'incident. Évidemment, je ne voulais pas traverser tous les champs à pied. Et donc, voilà, donc on est déjà à 800 mètres. J'ai toujours le contrôle parfait. On a dépassé le kilomètre.
Là, je vais m'arrêter pour filmer une voiture qui passe. Voilà, c'est fait. Là, je continue. Et vous allez voir ce qui se passe quand on perd la connexion. On commence à avoir des gels d'image, l'image qui se fige. Vous voyez, ça y est, l'image s'est figée. On a des artefacts qui apparaissent dans l'image. Donc là, je suis à 1200 mètres, 1246 mètres. Et là, voilà, j'ai plus de connexion radio. Donc je suis vraiment à la limite de la connexion. Vous voyez que ça saccade pas mal. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, je vais carrément perdre la connexion avec le drone. Jusque-là, j'ai encore la connexion. Et voilà, là j'ai perdu la connexion. Et hop, quand je récupère le réseau, eh bien, je m'aperçois que le drone a automatiquement enclenché son retour base. Et ça c'est plutôt bien, donc il était en train de revenir, voilà, parce que j'avais perdu la connexion, et ça c'est génial. Connected. Voilà, donc ensuite j'ai ramené le drone vers moi manuellement, j'ai annulé le retour automatique. Alors la distance théorique annoncée par Potensix c'est 4 km. Donc j'ai contacté le fabricant et il m'a confirmé qu'effectivement 1200 mètres c'était pas normal. Et je pense que c'est dû soit à des interférences puisque j'avais une ligne électrique haute tension qui était à proximité, soit parce que j'avais un bois qu'on voit au loin, vous voyez au fond, en haut à gauche, qui coupait en fait le signal entre moi et le drone. Alors étant donné les conditions météo actuelles, l'hiver, j'ai pas trouvé de créneau favorable pour refaire ce test sur une plus grande distance. Je vous le referai quand les conditions météorologiques seront meilleures, et vous voyez qu'il y avait pas mal de vent. Donc je referai une vidéo spécifique, séparée, quand j'aurai fait ce nouveau test. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu quand je la mettrai en ligne. Alors j'avais mis l'application en anglais parce que l'application française était buggée au niveau du calibrage, c'est pour ça que l'application là vous le voyez en anglais, mais en fait maintenant elle est en français et fonctionne parfaitement. En bas à gauche normalement on voit l'image satellitaire de notre position, actuellement c'est flouté parce que j'avais désactivé la connexion mobile, la connexion data pour éviter d'être dérangé par des notifications. Mais je vous conseille de laisser la connexion mobile activée de manière à avoir la carte en temps réel en bas à gauche de l'écran. Maintenant, je vais vous montrer quelques images tournées par la caméra 4K du drone, quelques spots que j'ai trouvés autour de Dijon. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après pour la conclusion. Thank you.
Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Vous avez vu un drone, franchement sympa, pas très cher. Moi, ça m'embêterait vraiment de mettre plus cher et de le cracher. Un DJI, ça monte vite dans les 500 euros quand vous rajoutez les batteries et tout ce qui va avec. Là, on est sur un drone bien moins cher. Je vous laisse regarder le prix dans la description. Je ne vous dis pas le prix dans la vidéo parce que ça change tout le temps, hein. Par contre, évidemment, vous avez vu, il y a des limites. La qualité 4K n'est forcément pas au niveau d'un DJI. Le gimbal, forcément, vous ne l'avez pas. Malgré tout, on arrive quand même à faire des vidéos sympas, comme vous avez pu voir. Et c'est ça qui est plutôt appréciable, c'est que vous avez un drone pas cher qui va vous permettre de faire des vidéos plutôt sympas dans un cadre de loisirs ou de photos de vacances ou de vidéos de vacances plutôt. Et si vous le crachez, eh ben vous allez cracher une somme quand même bien inférieure à un drone DJI. Donc, c'est plutôt appréciable pour ceux qui ont un budget limité et qui ne veulent pas forcément faire des vidéos de qualité professionnelle avec une image impeccable. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce drone, forcément beaucoup plus qu'avec le drone précédent que j'avais testé. Je vous mets le lien par ici. Donc je pense que ça va bien me servir pour les vacances, pour faire des petites vidéos sympas. Je vous conseille d'utiliser l'application DroneSpot qui va vous permettre très facilement, en fonction de l'endroit où vous êtes, de savoir à quelle hauteur vous avez le droit de voler et si vous avez ou pas le droit de voler. Il suffit de cliquer sur l'endroit où vous êtes et vous avez tout de suite la hauteur de vol qui va s'afficher à l'écran. Vous savez si vous avez le droit de voler à 50, à 100 mètres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la partie commentaires est là pour ça, je réponds à tous les commentaires. Je vais refaire d'autres vidéos sur ce drone, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos à venir. Je prévois notamment de refaire la vidéo de test de distance. Là, il fait vraiment trop mauvais dehors, comme vous l'avez vu en intro. J'ai pas pu refaire cette vidéo, je suis vraiment désolé. J'en referai une où je vais mesurer jusqu'où réellement il peut aller en distance puisqu'il est annoncé 4 km par le fabricant. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne.